les travailleurs fêtent aujourd'hui la fête du travail. Et c'est le premier mobile de notre rassemblement. Et nous devons fêter la fête du travail parce que nous sommes des travailleurs béninois. Le deuxième objectif pour lequel nous sommes là et pour lequel nous sommes fiers, et nous avons de bonnes intentions, c'est nous avons prévu de manifester notre mécontentement le 27 avril passé. Mais cette manifestation a heurté la résistance de la police républicaine. Nous n'avons pas pu faire la marche et aujourd'hui nous nous sommes retrouvés pour nous concerter, pour communiquer, pour prendre des décisions dans la gestion de l'avenir. Donc notre raison d'être aujourd'hui ici, c'est de prendre des informations, c'est de décider de comment nous allons gérer l'avenir des travailleurs. Nous sommes fâchés et on ne peut pas nous empêcher de dire que nous sommes fâchés. Nous sommes dans un état de droit où ceux qui sont d'accord ont la libre expression de dire qu'ils sont d'accord avec le mot de gestion. Il faut que le même principe soit appliqué à ceux qui ne sont pas d'accord. Nous sommes des citoyens, donc nous sommes là pour planifier des actions, pour planifier des activités que nous allons mener, pour avoir notre point de vue à dire sur la gestion de notre État. Pour nous autres, nous sommes des militants, des travailleurs, travailleuses. Je crois que tout a été dit. Nous n'avons rien fait de mal que de vouloir exprimer haut et fort les difficiles conditions de vie dans lesquelles, non pas seulement les travailleurs, mais tout le peuple vit. Et nous, syndicalistes, nous sommes les répondants des travailleurs, donc les répondants du peuple. Donc il était question pour nous de marcher pacifiquement pour exprimer la situation difficile dans laquelle toute la population, les travailleurs, pas seulement les travailleurs, parce qu'en fait, les travailleurs, ce n'est pas seulement les travailleurs publics. Il y a ceux du secteur privé, informel, et toute la grande masse de tous ceux qui travaillent de leurs mains et qui, à partir de leurs activités génératives de revenus, nourrissent leurs familles. Aujourd'hui, le panier de la ménagère n'est pas vraiment ce qu'il faut. Hein? Vous-même, vous savez que la mesure de maïs est passée à 500 francs. Et celle du gari, le gari fin, est passée à 1200. Alors, dans quel salaire est-ce que nous prenons tout ça? Dans le même salaire. C'est juste pour dire que nous avons ras-le-bol de cette vie qui est devenue chère. Nous, au fort, on nous a annoncé des réformes. Mais nous sommes en train de constater avec désolation que cette réforme est suicidaire. Vous savez, tel que les gens l'ont dit, quand il y a la famine, c'est le salut du peuple. La loi suprême, c'est le salut du peuple. Et nous, au port, nous les dockers, nous n'arrivons même plus à vivoter. Nous sommes dans la chaleur, nous avons faim. Nous ne nous retrouvons plus dans cette réforme parce que tous nos acquis sont supprimés. La rareté des navires, ok, n'est pas imputable au docker. En tant que député, nous avons le droit d'être aux côtés de nos populations. Et c'est ça qui a fait que nous sommes sortis aujourd'hui pour rester aux côtés des travailleurs, pour manifester contre la vie chère. Et c'est le lieu d'encourager les travailleurs, tout ce qu'ils font, les encourager et nous-mêmes être à leur côté pour que nous puissions le faire ensemble. Ce n'est pas le problème des travailleurs seuls, c'est le problème de toute la nation. Et donc, ce que nous ne pouvons pas faire à l'Assemblée nationale, on doit être capable de le faire dans la rue. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est de démordre un peu, de laisser les gens aller librement, s'exprimer librement, et que la vie soit moins chère. C'est que le gouvernement nous écoute. C'est que le gouvernement reconsidère sa position. C'est que le gouvernement sache que nous sommes des acteurs du développement. Et sans nous, il ne peut pas avoir développement. Et qu'il accepte s'asseoir avec nous, échanger avec nous sur les problèmes que nous avons.